cadre de toute beauté. Certes, je vous l'accorde, mais combien cela vous a-t-il coûté? Cela ne nous importe guère. Cette représentation est fidèle à la vision galiléenne. Ce cadre incarne bien la rotation astrale. Oui, mais Newton n'était pas d'accord avec cette théorie. À en croire la deuxième loi de Newton, vos propos sont de mesurer, mon cher. Le système de sécurité est opérationnel, madame. Veuillez, monsieur. Vous allez voir, votre maison est une vraie forteresse. J'ai hâte de voir ça. Vous pouvez remarquer les différentes caméras que j'ai installées. Une ici, dans le jardin, à l'entrée. Tous ces appareils sont reliés à un moniteur principal. Très bien, bon travail. Vous irez voir ma secrétaire, elle vous réglera. La prochaine fois, sois plus poli. Allô? J'ai un empêchement. J'arrive. Bien. Nous voici tous réunis. À présent, je vais vous expliquer la mission. Acceptez, bien sûr. Ceci est le plan de la maison du Premier ministre. Votre mission est de s'infiltrer et de dérober ce tableau. Et messieurs, ce tableau coûte 14 millions de dollars. C'est quoi ce tableau? Ça n'a pas d'importance. Je vais désigner deux d'entre vous qui seront chargés de s'infiltrer dans cette maison. Ils seront chargés de localiser les gardes, les caméras et d'obtenir tous les codes d'accès. J'en désignerai deux autres pour aller récupérer le tableau ici. Et on y gagne quoi? La moitié de la somme sera pour moi. En ce qui concerne notre partie, vous vous partagerez la somme en parts égales. Ça fait 2 millions, c'est tout. Eh mais t'es fou! Si t'es pas content, je prends ta part, moi. Mike et Steve, vous occuperez du tableau. En ce qui concerne les deux autres, je vais vous donner vos armes et vos gadgets. Ceci est un Uzi 9mm. Puis c'est Wesson, Walter P99. Et ça, c'est quoi? Ceci est un électrocuteur 300 volts. Une dose de ce machin, vous envoyez la nuit au 7ème ciel. Voici vos cartes d'accès. Vous employez Alva en tant que mécanicien. On est aussi vos blouses. Et qu'est-ce que tu comptes faire de tout ce blé? Regarde-moi ça. Sinon, t'as une famille? J'avais une femme, mais elle s'est barrée un jour, comme ça, sans rien dire. Et toi? J'avais une femme, mais elle s'est fait avoir dans la casse. Je me suis toujours promis que je descendrais le fumier qu'il a eu. Et sinon, qu'est-ce qui t'amène à Los Angeles? Je suis venu à LA pour buter le gars qui l'a eu. Suivez-moi, on y va.